Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Eh bien là, je me trouve dans un petit village tout près de Mels, ça s'appelle. Mels. Voilà, c'est tout près de Sainte-Geneviève-sur-Argence. Et là, nous avez devant vous une cabrette. Alors pourquoi je suis venu là? Ben, simplement pour retrouver dans quelques instants un facteur de cabrette. Et en attendant, c'est Jean-Paul Pourade qui va nous le présenter, ce facteur de cabrette qu'il connaît bien. Oui, alors contrairement à ce que tu croyais tout à l'heure, Robert, c'est pas pour alimenter le bouffadou là, c'est un élément de la cabrette. Alors, nous sommes avec notre ami Jean-Louis. Jean-Louis qui a été, nous l'oublions pas, à la base de la création du plus grand musée du monde de Cornemuse, avec son ami André Rénal qui nous a quittés, et qui a été un peu le concepteur, avec André Ricrot et donc Jean-Louis, de ce musée qui aujourd'hui attire des Français, des Anglais. Des Anglais sont venus visiter ce musée et ont été, je dirais, complètement estourbis par la grandeur de ce musée dans un petit village comme celui de Cantois. Alors ici, nous sommes dans l'atelier de Jean-Louis qui va vous présenter le travail qu'il effectue régulièrement pour réparer des cabrettes, pour en fabriquer. Et aujourd'hui, le nombre de facteurs de cabrettes, est, je dirais, c'est epsilon. Hein. On court après les réparateurs et les fabricants de cabrettes car c'est un métier très difficile, notamment pour fabriquer des pièces très petites comme les hanches, où il faut vraiment une maîtrise totale de ce métier de facteur cabrette. Alors je te laisse avec Jean-Louis. Voilà Jean-Louis, alors dis-moi un petit peu ce métier de facteur de cabrette, où l'as-tu appris toi? Je l'ai appris avec un ancien fabricant qui s'appelait Jean Marginier. Ouais, et c'était où ça? Ah, c'était sur Paris, j'avais connu cet homme-là sur Paris, j'avais été le voir dans son atelier, et il m'a montré comment fabriquer. Alors au début, je ne me suis pas lancé dans la fabrication complète de l'instrument, hein, parce que ça demande des années de pratique. J'ai commencé par faire des sacs et des soufflets. Oui, comme on va le voir dans quelques instants. Voilà, j'ai commencé à faire des sacs et des soufflets, puis après, par la suite, bon, j'ai réparé les hautbois, les tuyaux mélodiques, les bourdons, et puis bon, de fil en aiguille, j'ai dit, bon, essayons de faire l'instrument au complet, et puis voilà. Alors, quand tu faisais ça, pourquoi tu étais dans le groupe folklorique, tu étais à Paris, tu t'ennuyais, non? Non, c'est que je faisais partie de l'association Cabrette et Cabrettaire. Et à l'époque, l'ancien président, Guy Le Tur, m'avait demandé est-ce que je pouvais fabriquer des cabrettes, parce qu'il n'y avait plus de fabricants. Mais bon, faire une cabrette, ça prend énormément de temps. Alors, on s'y est mis à trois. Donc moi, j'étais là pour faire les sacs et les soufflets, les têtes, les grelottières. Ouais. Il y avait Roger Servant qui faisait les pieds et Victor Larossini qui faisait les hanches. Alors, quel est le plus dur dans tout ça? Tout est dur. Tout est dur. Alors, la difficulté, par exemple, on va prendre l'exemple d'un sac, là. La difficulté pour réaliser un sac, parce que là, on voit l'extérieur, mais dedans, il y a encore un autre sac, non? Ben, dedans, voilà ce qu'il y a. Hein. Là, je suis en train de travailler sur un. Alors, c'est du cuir de chèvre. Ouais. On prend du cuir de chèvre parce que c'est un cuir qui est très fibreux, très nerveux. D'accord. Et qui résiste à toutes les tortures et surtout qui est très peu poreux. Ah oui, parce qu'il faut pas que faut pas que ça échappe de l'air. Ces cuirs sont cousus à la main. Hein. Ah oui. Donc là je les couds à la main, on les coud pas avec la machine et puis on les coud avec des aiguilles à bourron de manière à ce qu'elles ne déchirent pas les fibres du cuir. D'accord. Donc c'est faut... pas bien gros, alors, ça. Ah ben non, parce que là, il y a quatre épaisseurs de cuir, hein, puisqu'il y a, les deux épaisseurs, plus un galon tout autour. Mm. Donc tout ça, c'est enfoncé en force. Ah oui. Donc là, bien sûr, ben, il faut 3 heures de couture. Hein. Oui, pour ça. Voilà. D'accord. Et certaines cornemuses, dans le temps, ils utilisaient un cuir qui était mieux que la chèvre, c'était le chien. Ah bon? Puisque le chien ne transpire pas, le chien transpire par la bouche et les pattes, donc c'était des cuirs étanches. Ah, on apprend des choses avec toi. Hein. Et alors après, tu fais, une fois que tu as fait ça, quelle est l'opération que tu fais après? Une fois que j'ai fait ça, ben après il faut faire les têtes. Hein. Là aussi, donc, c'est sculpté à la main. Alors là, c'est sculpté à la main, donc je fais des têtes en buis, des têtes avec des boules de billard, avec de l'ébène. Des fois, il y a des incrustations aussi d'étain. C'est à la demande du client. Et donc, il faut faire tous les embouts aussi pour la poche. Mmh. Et quand tout est monté, ben, il faut mettre une robe. On met une robe sur le cuir. D'accord. Notre cornemuse est habillée d'une robe. Voilà. Une robe de velours. Alors la robe de velours, c'est la traditionnelle, celle-là, presque, non? Voilà, c'est la traditionnelle. Le velours a l'avantage, c'est qu'il est soyeux d'un côté et rêche de l'autre. Ah, ouais, ce qui permet que l'instrument se plante dans les vêtements. D'accord. Ça fait que quand on joue, ben, il ne glisse pas.
Mmh. Si on prenait de la soie, ben, on aurait la cabrette qui descendrait. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais. Ouais, tu vois, je ne savais pas. Ouais. Voilà. Voilà. Et après, une fois qu'on a fait ça, alors c'est... Ah, une fois qu'on a fait ça, il faut attaquer de faire le soufflet. Ouais. Donc là, j'en ai un en préparation, hein, aux initiales du musicien. D'accord. Donc les musiciens bien personnalisés aussi leur soufflet. Donc ouais, ça ouais. peut être des sculptures, des gravures, des incrustations... Et donc, voilà un soufflet qui est fini. Donc, généralement, on emploie du noyer, puisque c'est un bois qui est relativement léger. Il ne faut pas que le bois soit trop lourd. Ouais. Donc, du noyer, donc il y a 300 clous, 300 clous hein, pour tenir tous les cuirs. Mais là, le cuir, c'est pareil, c'est un cuir de... Ah, c'est du cuir de chèvre. De chèvre aussi. Voilà, d'accord. C'est du cuir de chèvre. C'est très résistant, parce que ça, c'est mon soufflet. Mmh. Ça fait plus de 20 ans que je l'ai fait. Ah, ouais. Et vous voyez, il n'a jamais craqué au niveau des plis. On voit qu'il s'est assoupli par contre. Voilà. Ouais. Et Dieu sait si je m'en sers, mais si j'avais utilisé du cuir de vachette, ben, il ferait sans arrêt le graisser, hein, le nourrir pour éviter qu'il craque. Ah oui, oui, toujours le graisser. Oui. Alors que le cuir de chèvre, c'est cet avantage. Hein. D'accord. Voilà, ah oui, joli. Ouais. Tu as fait un peu. Ouais, on fait de la marqueterie, on fait de la sculpture, on fait un peu de tout. Hein, c'est un petit peu l'humeur du moment aussi. Alors ça c'était pour moi, mais après les musiciennes ils ont déjà souvent des idées bien fixes. Ouais, d'accord. Et alors pour les pieds après? Eh bien après bien sûr il faut fabriquer les tuyaux mélodiques. Les tuyaux mélodiques. Voilà, donc sur notre instrument on a un tuyau mélodique, et ici on a un bourdon. D'accord. Voilà. Donc, tout ont le bourdon, il y en a qui disent que non. Alors... Elles ont un bourdon, mais il n'est pas toujours actionné, puisqu'on joue beaucoup avec les accordéons. Mmh. L'accordéon fait l'accompagnement, donc le bourdon. Il n'y a pas besoin du bourdon. Voilà. Mmh. Certaines cornemuses, je fais des musettes, des cabrettes, avec des bourdons qui fonctionnent ou des chanterelles. Ah, oui. Voilà. Ce qui est la différence, c'est la hanche qui est au bout et la perce de l'instrument. D'accord. Voilà. Une chanterelle, c'est une perce conique. Un bourdon, c'est une perce cylindrique. Donc les musiciens me demandent l'instrument. Alors on a des différentes longueurs de tuyaux mélodiques, hein, puisque ça va. Ça correspond à quoi une longueur là? Mais ça correspond à une note. C'est-à-dire que là c'est un pied en la. Mmh. Hein, là je suis en train d'en faire un pied en do. Ah ouais, donc voilà. Il est plus petit, oui. Voilà, c'est de suite on voit que c'est beaucoup plus petit. Oui, oui, oui. Donc les musiciens choisissent la note qu'ils veulent avoir sur l'instrument de musique. Donc il y a plus d'une dizaine de tailles différentes. Ah ouais. Et il faut fabriquer ces outils pour fabriquer cet instrument. Ah oui, ça se trouve pas dans le commerce. Voilà, parce que déjà pour percer cet instrument, à l'extrémité, il y a une perce de pratiquement de 4 mm. Ah oui. 3,8 exactement. Et donc il faut avec une mèche percer ces instruments. Donc on en a de très longs, donc il faut des mèches relativement longues. Et puis quand on travaille le buis, il faut qu'il ait 20 ans de séchage, il faut que vraiment la mèche soit acérée, sinon elle va fondre à l'intérieur du bois. Et puis une fois qu'on a fait la perce, on fait un passage avec une mèche étagée de différents diamètres, et après on fabrique un alésoir puisqu'il y a 3 cônes différents. Et tu as tout ça là, toi, dans ce lit. Ben oui, là, je vous peux montrer ce que c'est qu'un alésoir. Ah ouais. Ah oui, après, tu le fais à la main, alors là, pas au tour. Là. Alors ça, c'est le bois est sur le tour et c'est le bois qui tourne. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. Ouais. Et nous, on tient l'outil. Ah ouais, voilà. Ouais, ouais. Donc plus l'instrument est long, moins il y a de pente. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc il faut des outils pour chaque longueur différente. Ah, oui, donc oui. On est sans arrêt en train de travailler du métal avant de faire des cabrettes. D'accord. Et là, tu es en train de travailler un morceau d'ébène, non? Travaille un morceau d'ébène parce que là, je suis en train de faire cette partie-là. Voilà. Ah ouais, une petite partie, donc plus haut. Ouais. Cette partie-là, donc j'ai déjà fait une partie ici. Donc ça, c'est le boîtier. Ah oui. Un ébène aussi. Voilà, ça, c'est de l'ébène. Et donc maintenant, il me faut la deuxième partie. Ah oui, ça, c'est la première partie. Ouais. Il y aura la deuxième partie que je suis en train de travailler. D'accord. C'est du bois qui est facile à trouver, ça? Alors, c'est très compliqué à trouver. L'ébène, il y en a de moins en moins parce qu'il y a eu tellement de trafic de bois que maintenant, c'est compliqué. Il y a certains bois qui sont hors commerce maintenant, qu'on ne retrouve plus. Alors on utilise de l'ébène, donc c'est des bois très denses, très durs. Ah oui. Voilà un carrelé qui va faire une cabrette. On utilise du buis, alors là vous en avez un. Et c'est dur, mais pour le percer, c'est aussi dur que c'est.
Ça, c'est du fer, hein. Ouais, du fer, ouais. Ah oui. Il faut des bons outils, quoi. Ah, il faut des très bons outils. Hein. Ça, c'est du buis, hein. Donc ça, c'est des buis. C'est joli aussi, le buis. Qui ont plus de 20 ans de séchage. Ah ouais. Donc voilà, celui-là, il s'en va en Suisse. Ah ouais. Et pour le trouver, ça, là. Alors, les buis, comme il faut 20 ans de séchage, moi, je vais en récupérer chaque année. Ah ouais. Mais c'est pour la génération future. Ah ouais. Moi, le buis que je travaille, c'est ce que les anciens m'ont donné. Ah, oh, d'accord. Donc, je travaille tous ces vieux buis qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de séchage. Ah, ouais. Alors, on est toujours en train de chiner des vieux buis. Ben, d'autant qu'en plus, il n'y a pas de nœuds, il n'y a rien là. Hein, ouais, on essaye d'en avoir le moins possible. Ouais. Malgré que le buis a toujours des. Ah, oui, c'est pour ça. Bon, ça, c'est du cocobolo. Ouais. Hein, ça, c'est pareil, ça sert à faire des cabrettes. Ces bois vont être interdits et il n'y en aura bientôt plus. Ah bon? Ouais. Ça sert pour faire les guitares, les violons. Les, ah ouais. C'est ce bois qui il est. Alors il est toxique. Bois. Hein. Ouais. Il est très toxique. L'essence du bois, ben, au contact de la peau, peut vous créer des allergies, des brûlures. D'accord. Donc il faut faire très attention. Mais aussi bien pour les bennes. Hein. Les bennes, certains fabricants, j'avais un copain qui en fabriquait, il avait arrêté de fabriquer les bennes parce que ça le rendait malade. Hein. D'accord. Voilà, La poussière et tout, quoi. Ouais. Ouais, là, sinon, après, en bois, autre que ces deux bois, qu'est-ce que tu peux travailler? Ah ben, après, vous avez le palissandre, vous avez la mourette, vous avez encore plein de bois. Hein. Mais bon, moi, je commande pas tous ces bois, parce que bon, je fais principalement le buis, et l'ébène et le cocobolo. D'accord. Ça suffit largement. Puis après, ces instruments sont bagués. Donc, la plupart du temps, ils sont bagués avec de la corne. Ouais. Ou avec des matériaux synthétiques aussi. Oui, je vois que, oui. Voilà, ça, c'est. C'est joli aussi. Hein. Voilà, ça amène un peu de couleur à l'instrument de musique. Ouais. Mais nos anciens, au départ, les premières cabrettes étaient les bagues. Alors, les bagues, c'est un peu le pare-choc de l'instrument. Quand on le pose, c'est ça qui va toucher en premier. Ouais. Puis les bois sont très très fins à l'extrémité. Donc, ça les protège. Ça évite qu'ils se fendent. Donc les premières cabrettes étaient habillées avec des bois. Et puis il y a eu de la corne, il y a eu de l'os. Et puis par la suite, il y a eu les matériaux synthétiques. Ils ont fait beaucoup de cabrettes dans les années 70 avec du plastique. Ah oui. Donc la cabrette a toujours un peu évolué. Mais pas dans sa forme, mais juste ces bagues qui font de l'esthétique. Ouais, ouais. Hein. Et puis donc bon, je travaille ces bagues. Alors une question qu'on risque de me poser, combien de temps faut-il pour faire une cabrette entièrement, hein, de A à Z? Ben, de A à Z, sac soufflé, tête, pied, il faut à peu près deux bonnes semaines. Ah ouais, quand même. Ouais. Voilà. Ouais. Deux bonnes semaines, mais on ne compte pas le temps dans l'atelier. Hein. Et est-ce que pour jouer là, parce que pour apprendre à jouer de cet instrument, c'est un pipeau, c'est... Ben, pour jouer, c'est facile. Ouais. C'est relativement facile, vous prenez une cabrette, celui-là, ce bras-là, c'est le plus bête de la bande, il doit pomper sans arrêt avec le soufflet. Ouais. L'autre, il doit appuyer sur la poche. Ouais. Après, vous avez quelques trous à boucher, puis c'est parti. Ouais, voilà. Bon, c'est une sacrée technique quand même, non? T'as mis longtemps, toi, à apprendre? C'est venu, tu vois. Ah ben bon, moi j'enseigne un peu l'instrument aux gamins. Ouais. Les jeunes ils apprennent très vite, hein, c'est des éponges. Ouais. Moi j'ai appris un peu sur le tard. Après il y a des bons, il y a des moyens, oui, des oui, moins oui, bons. Oui. Voilà. Il y a un talent quand même. Ouais, il y en a qui ont des très gros talents. Moi je me suis tué dans les petits joueurs. Ouais. Et puis voilà. Hein. Ouais, mais enfin bon, quand même, on va t'entendre tout à l'heure que tu vas nous jouer un morceau, parce qu'on n'est pas venu là pour rien, quand même. Hein. D'accord, voilà, mais ça fait combien de temps, alors, tu dis que tu en fabriques? Oh, dans les années 90, je m'y suis mis. D'accord. Et oui, ça fait bien peu, 30 ans, ouais. Voilà, donc, ce qui est très long, c'est de fabriquer tous les outils, de constituer un atelier au complet, quoi, parce qu'il faut avoir tout. Après, l'atelier, il n'est pas très très grand, hein. Ah ben, l'instrument n'est pas très grand, donc il n'y a pas besoin d'avoir... Non, mais quand on y est sur Jean-Paul Poural, par exemple, c'est bouché, quoi. Hein. Et moi, je ne joue pas de la cabrette, moi. Non, mais tu bouches bien le trou, là. Voilà, puis alors, voilà, j'aime bien ces ateliers où les choses sont pendues, comme ça, où c'est... magnifique, ouais. j'adore. C'est bien rangé, hein, tout en ayant l'impression que c'est le bordel, mais non, tout est bien arrangé. Ah,
j'aime pas chercher mes outils. Ouais, donc, ouais. Je sais où c'est qu'ils sont. Ouais, j'ai ouais. plus qu'à tendre la main. Je prends mes outils, je cherche. Et tu reposes. Voilà. Et je repose toujours au même endroit. Alors, on fait beaucoup de restauration aussi d'instruments, hein, puisque là, j'en ai. Ah oui, ça, c'est la restauration. Ouais, ça, c'est des instruments en attente de restauration. Donc, ça, c'est des vieux pieds. Ça, c'est des vieux pieds très, très anciens. Hein. Qui attendent d'être restaurés. Là, vous avez des musettes. Donc, tout ça, c'est... Il y a des vieux noms qui reviennent dans les pieds. Comme ça, il y avait des spécialistes, des gens qui avaient du talent pour faire un pied plus que d'autres, plus que non. Ah, ben après, il y a eu les Amadieu, il y a eu les Alias, les Franck. Bon, chaque facteur, il y a des musiciens qui adorent jouer avec du Franck, avec du Alias, du Costorost. Voilà, chacun aime bien jouer. Alors, certains étaient beaucoup plus précis que d'autres, notamment Costorost qui faisait vraiment des pièces qui étaient vraiment. C'est des instruments qui sonnaient bien. D'accord. Ben voilà, on a pratiquement fait le tour, non ? Ben oui, oui. Après, pour faire fonctionner cet instrument, ben, il faut un sifflet. C'est la fameuse hanche. Voilà, la fameuse. Ah, la hanche, on n'en a pas parlé. Voilà. Voilà, c'est ça la hanche. Donc. Et alors, cette hanche, hop, là, c'est un peu trouble, d'accord. Ça, c'est une difficulté, non ? Alors, ça, c'est une difficulté, c'est 90% de la cabrette. Hein. Ah ouais. Voilà, donc c'est fait avec du roseau. Mmh. Et donc qu'on affine. Donc ces instruments, ils ont un canon de cuivre à l'intérieur. Mmh. Et donc bon, il faut respecter les côtes pour pouvoir faire sonner cet instrument. Et tout ça, c'est fait avec des lames de rasoir. Hein. Ah oui. J'ai le moment pour faire ça. Donc oui, et puis il faut pratiquer quoi. On peut pas se lancer à faire une hanche comme ça. Il faut avoir des années d'expérience. Ouais. Il faut. Je crois que j'en ai presque fait plus d'une centaine pour réussir à en faire une. Ah oui. Après, bon, le matériau primaire, il n'est pas très très cher, mais bon... Non, mais c'est comprendre pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, il y a tellement de... Et encore, si on te l'a montré au début, ça va, mais si on ne te l'a pas montré... Alors, on me l'a montré, oui. J'ai eu la chance d'avoir du monde qui m'a montré comment faire les hanches, mais bon, on a beau vous montrer, mais faut pratiquer. D'accord. Voilà, quand vous êtes chez vous, vous n'avez plus personne pour vous expliquer, donc oui. Faut comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi... D'accord. Alors, tu as toujours des fonctions au musée aussi, puisque... Ben, je suis toujours au musée des Cornemuses, là-haut, avec toutes mes cabrettes. Oui, là, t'en as combien il y en a dans les cabrettes, il y a une centaine de cabrettes exposées, et puis après, il y a la famille des cabrettes, la famille des Cornemuses, donc la cabrette a invité les Cornemuses, donc on a toutes les Cornemuses du monde. Et ça marche, vous avez du monde, oui. Oui. Cette année, il y a eu énormément de monde, beaucoup de cars, beaucoup d'étrangers qui sont venus de partout, de toute l'Europe. Et on n'a pas encore fini la saison. Mais tu dois rencontrer d'autres joueurs de cabrette qui viennent là que tu On rencontre. Ou de cornemuse. Ah oui, on rencontre des Irlandais, des Écossais, des Anglais. Et ils jouent des fois, tu les fais jouer. Ils viennent toujours avec leur instrument. Tout le temps. Il y en a pas qui te les laissent en partant. Alors, ils essayent de jouer la cabrette. Nous, on y arrive beaucoup plus à jouer de leur instrument. Ah ouais? Mais eux. Ils n'arrivent pas à jouer de la cabrette. Ah ouais, d'accord. Il y avait notre grand joueur qui était venu aussi à l'inauguration, tu sais, comment il s'appelle déjà, le grand bonhomme là. Le Basque. Non. Si. Je ne me rappelle plus son nom. Maxime ? Non, le plus grand là qui joue. Qui est originaire du Nord mais qui vit au Pays Basque maintenant. Lazarevitch ? Non. Non. On l'a souvent à Sog, là-haut, qui vient faire... Je ne me rappelle plus son nom. Il me suit sur Facebook, il va m'en vouloir, là, je sais. Bon. Tant pis, hein. Voilà. Bon, en fait, écoute, je suis bien content d'être venu te voir, d'être venu dans ton atelier. Ouais, c'est un peu le bazar, hein. Je vois que j'ai une cabrette à récupérer, tu l'as mise où ? Ah ben, elle est là-bas. Elle est là-bas encore, mais tant pis, tu ne me joueras pas avec celle-là, alors. Bon, allez, par contre, on va t'écouter quand même maintenant, hein. On va te laisser mettre l'instrument. Et est-ce que tu peux me jouer la chanson des Buronniers ? Ça se fait à la cabrette ? Loumazuc. Ah oui, je pense. Je sais que ça plaît à pas mal de gens de l'Aubrac, mais de la Margeride aussi, parce que il y en a sur la Margeride, ils rêvaient d'avoir des burons.
Et on en a deux ou trois quand même, mais on n'en a pas beaucoup quand même. Allez, on est parti donc. Jean-Louis Claveyrolles qui va nous interpréter l'Oumazouk. Alors oui, oui, il faut gonfler. Hein. Ah, il faut remplir la poche. D'accord. Une fois que la poche est pleine, on est prêt à jouer. Eh bien allez. Merci Jean-Louis, voilà. Donc on est bien content d'être venu te voir dans ton atelier et la prochaine fois, ben, on viendra te voir dans ton travail là-bas. Enfin, non, pas le premier boulot parce que ton premier boulot c'est facteur d'orgue. Pas d'orgue. Pardon, oui, non, mais j'étais l'autre jour. Je suis nul dans les orgues. Non, non, c'est pas ça, mais moi j'étais l'autre jour chez un facteur d'orgue de oui, Paris, j'ai vu ça, oui. Donc ça déteint un petit peu. Non, c'est le facteur de cabrette, bien entendu. Voilà, merci, merci beaucoup et puis à très bientôt. Donc. De nouveau pour une autre interview ou par amitié, c'est tout. Hein.